Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans cette séance afin d'aborder le module de thermodynamique qui fait partie de l'univers physique avec une limite spécifique d'observation. Cette limite peut être définie par des mesures réelles ou imaginaires. Donc un système thermodynamique peut subir des transformations internes et échanger de l'énergie ou de la matière avec l'environnement extérieur. Donc la thermodynamique est une science qui s'intéresse à construire des machines indispensables à l'industrie qui est en train de se développer afin de répondre à un besoin industriel de l'époque. En fait, le besoin, c'était quoi? C'est de trouver des conditions optimales pour transformer de la chaleur en travail. Donc, on veut créer un travail à partir de la chaleur. En fait, la thermodynamique est formée par deux mots. Vous avez le mot thermo et le mot dynamique. Donc, thermo, ça veut dire énergie ou bien la chaleur. Et dynamique, bien sûr, veut dire le mouvement. Donc, si on peut définir la thermodynamique, on peut dire que c'est la science des échanges d'énergie entre les systèmes ou bien entre le système et le milieu extérieur. Donc vous voyez déjà quelque chose qui va jouer un rôle très important. Je vais essayer de vous apporter une explication détaillée de ce cours afin de le rendre accessible à chacun d'entre vous. Alors cette formation se déroulera selon le plan suivant. Tout d'abord, je vais commencer par une introduction et une notion de base. Dans une deuxième partie, nous allons entamer le premier principe de la thermodynamique. Puis les transformations thermodynamiques et leur représentation. Ensuite, nous allons aborder le deuxième principe de la thermodynamique. Et finalement, les cycles thermodynamiques usuels. En fait, dans le contexte de la physique, la thermodynamique est une branche qui étudie la relation entre l'énergie thermique et l'énergie mécanique. On peut décrire la thermodynamique de deux manières aux deux aspects différents. Aspect macroscopique, on a la thermodynamique classique, et l'aspect microscopique, on a la thermodynamique statistique. Tout d'abord, on va commencer par la thermodynamique classique. En fait, la thermodynamique statistique a pour but d'expliquer ou de prédire des phénomènes macroscopiques et de calculer les grandeurs thermodynamique d'un système macroscopique à partir de l'aspect microscopique ou moléculaire, c'est-à-dire des données expérimentales et théoriques sur les particules individuelles qui constituent le système considéré. Et la complexité du problème par rapport au nombre important ou bien le nombre immense de degrés de liberté rend alors indispensable le recours à des méthodes statistiques qui permettent le passage du microscopique au macroscopique. En ce qui concerne la thermodynamique classique, n'a besoin d'aucune hypothèse sur la structure atomique de la matière. Et elle explique le comportement de la matière ou des systèmes en fonction de leur variation d'énergie et d'entropie. Et également, elle décrit uniquement les états initiaux et finaux des systèmes en évolution et dresse également le bilan énergétique du système. Et également, le chemin suivi par la transformation du système peut jouer un rôle très important comme une notion de réversibilité des transformations. Donc, la température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre. Et dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud provenant du transfert thermique entre le corps humain et son environnement. En fait, au point de vue macroscopique, c'est une notion intuitive associée à une sensation tactile de froid ou de chaud. Donc la température d'un corps, ou de façon générique d'un système, est une mesure d'une propriété globale de ce système. Et si on met en contact deux systèmes de température différentes, par exemple T1 et T2, donc le système composé atteindra après un temps une température intermédiaire entre la plus haute et la plus basse de ces deux températures. Donc au point de vue microscopique ou cinétique, les particules qui composent la matière, soit les molécules ou bien les atomes, ne sont jamais au repos et sont en vibration permanente et possèdent donc une certaine énergie cinétique. Donc la température est reliée au degré d'agitation moléculaire de la matière qui constitue le système. Et également, c'est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des atomes ou bien des molécules qui constituent le système également.
En fait, les molécules se déplacent dans l'enceinte de façon totalement aléatoire à une vitesse VI, d'où la création d'une énergie cinétique EI. Et on définit la température T par cette relation, c'est 1 demi MV au carré qui est égal à 3 sur 2 K fois T. En fait, K, c'est une constante de Boltzmann. En fait, cette relation définit l'échelle de température absolue, soit en Kelvin ou bien en degrés. C'est l'unité internationale. Je porte à votre connaissance que ces transferts d'énergie mènent spontanément à un état d'équilibre thermique où les deux corps en présence ont la même température. Donc le Kelvin est égal au degré plus de 273. Et comme mentionné dans cette figure des différentes échelles de température. En fait, la température est mesurable. Elle est un thermomètre qui est un dispositif tel qu'un changement de température produit une variation d'un paramètre physique qui est mesurable, est appelé grandeur thermométrique. Donc, selon la théorie particulière de la matière, quand les substances se réchauffent, leurs particules bougent plus vite et se séparent. Alors, quand la température d'une substance augmente, les substances se dilatent. Et quand les solides, ou bien les liquides et les gaz sont réchauffés, leur volume augmente. Ce qui implique que réchauffé est égal dilaté, est égal volume augmente. Donc on aura une dilatation thermique V de θ pour un thermomètre à mercure ou bien à alcool. Pour la deuxième notion de base, c'est la résistance électrique. Pour le platine ou une diode semi-conductrice, en fait, un semi-conducteur, comme son nom l'indique, n'est pas assez bon conducteur pour être utilisé comme conducteur, ni assez bon isolant pour être utilisé comme isolant. C'est pour ça qu'on le nomme semi-conducteur. Donc, un semi-conducteur est un corps dont la résistivité se place entre celle des conducteurs et celle des isolants à la température ordinaire. Donc, la résistivité d'un conducteur croît avec la température selon une loi linéaire et dans de très faibles proportions. Donc la résistivité d'un semi-conducteur décroît lorsque la température augmente selon une loi exponentielle très rapide. On peut trouver également une tension électrique Eθ pour un thermocouple. En fait, le thermocouple est un dispositif simple qui sert à mesurer bien sûr la température. Et les capteurs thermocouples sont constitués de deux fils reliés soudés ensemble pour former une jonction de mesure, est également appelée suture chaude. Et cette jonction est également une gaine métallique insérée dans le milieu où la température doit être mesurée, bien sûr. Et l'extrémité opposée de la jonction des deux fils est généralement raccordée à un point connu sous le nom de soudure froide. Donc. Et on peut trouver également la fréquence de résonance piézoélectrique F de θ du quartz. En fait, les matériaux piézoélectriques sont très nombreux. Le plus connu est sans doute le quartz, toujours utilisé aujourd'hui dans les montres pour créer des impulsions d'horloge, mais ce sont des céramiques synthétiques. Donc, un thermomètre doit remplir les conditions suivantes. Un thermomètre ne doit dépendre que de la température, pour qu'elle sera invariante, bien sûr. Un thermomètre doit correspondre à une seule valeur de θ, pour qu'elle sera uniforme. Un thermomètre ne doit pas modifier θ pour qu'il sera équilibré ou bien en équilibre. Et finalement, et la dernière condition, qu'un deuxième thermomètre doit donner la valeur même de θ, ou bien la même valeur de θ, pour qu'elle sera reproductible. Passons maintenant à la pression. En fait, la pression est une grandeur physique qui traduit les échanges de quantités de mouvements dans un système thermodynamique, et notamment au sein d'un solide ou d'un fluide. Elle est définie classiquement comme l'intensité de la force qu'exerce un fluide par unité de surface. Dans la réalité, les molécules de gaz sont très nombreuses et très rapides, ce qui explique pourquoi la pression atmosphérique, par exemple, est si grande. Donc la pression est due au nombre de chocs des atomes sur les parois du récipient. Donc on définit la pression comme l'effet sur une paroi des impacts de particules, soit des atomes ou bien des molécules,
effet résultant du transfert de quantité de mouvement. Où on a N, c'est le nombre de molécules en agitation permanente. V, c'est le volume. C'est le volume microscopique, bien sûr. N, c'est le nombre de molécules par unité de volume. Et finalement, on peut trouver la pression qui est égale à 1 sur 3 fois la masse fois la densité volumique des particules fois V au carré. C'est la moyenne statistique du carré du module de la vitesse. En fait, un manomètre est un instrument servant à mesurer une pression, destiné en principe à mesurer des pressions voisines de la pression atmosphérique. En fait, le terme manomètre renvoie plutôt dans son acception courante à des instruments de mesure à colonne de liquide. Donc, une sonde manométrique sert à mesurer la pression dans le vide. On y distingue plusieurs catégories selon la pression, pouvant aller du vide industriel au grossier à l'ultraviolet. En fait, une fonction d'état est une fonction de grandeur appelée variable d'état, qui définissent l'état d'équilibre d'un système thermodynamique. Et les variables d'état sont par exemple la température, la pression, le volume ou le nombre de moles. Une telle fonction possède donc la propriété de ne dépendre que de l'état d'équilibre dans lequel se trouve le système, quel que soit le chemin emprunté par le système pour arriver à cet état. En particulier, autour d'une transformation entre deux états d'équilibre, la variation d'une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi par le système pendant la transformation. La variation d'une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi par le système pendant la transformation, mais uniquement des états d'équilibre initial et final. Ceci permet de déterminer cette variation pour n'importe quelle transformation, y compris bien sûr une transformation irréversible en imaginant un chemin réversible pour lequel le calcul est possible, bien sûr. Il existe donc deux types de paramètres variables. Ce qui varie proportionnellement avec la taille du système, ce sont des variables extensives, et ceux qui sont invariants, ce sont des variables intensives. En fait, les grandeurs extensives et intensives sont des catégories de grandeur physique d'un système physique. Une propriété est intensive si sa valeur ne dépend pas de la taille du système, en particulier si sa valeur est la même en tout point d'un système homogène, par exemple la température ou la pression. Une propriété est dite extensive s'il est proportionnel à une quantité caractéristique du système, par exemple la masse ou le volume. Je veux donc juste un petit exemple pour bien comprendre la différence entre les deux variables, les variables intensives et extensives. Si deux chevaux courent côte à côte et chacun à 60 km par heure à U2, ils font un ensemble allant aussi à 60 km par heure. Donc la vitesse est intensive, par contre à U2, ils font un passage deux fois plus important qu'un cheval seul. C'est-à-dire que le débit, la puissance et masse sont doublés. Ce sont en fait des grandeurs intensives. Donc le rapport entre deux propriétés extensives d'un même objet est une grandeur physique intensive. Donc le rapport entre deux propriétés extensives d'un même objet est une grandeur physique intensive. Ainsi, par exemple, le rapport entre la masse et le volume d'un objet est sa masse volumique moyenne, ce qui permet de mesurer la masse volumique intrinsèque de ce corps qu'il considérait comme homogène. Donc, comme résumé, les variables intensives, ce sont des variables indépendantes de l'état du système, s'égalisent entre deux systèmes à l'équilibre, comme par exemple la température, la pression, les contraintes, la vitesse. En ce qui concerne les variables extensives, ce sont des variables proportionnelles à l'étendue du système, est également associées à des règles de conservation, comme la masse, la longueur, le volume, etc. Donc l'état d'un système est défini par les valeurs d'un certain nombre de grandeurs mesurables, dites variables thermodynamiques ou variables d'état, comme la température, le volume, la pression, l'intensité, la tension et la densité. En physique et plus particulièrement en thermodynamique, une équation d'état d'un système à l'équilibre thermodynamique est une relation entre différents paramètres physiques,
appelée variable d'état, qui détermine son état. Il peut s'agir par exemple d'une relation entre sa température, sa pression et son volume, à partir de l'équation d'état caractéristique d'un système physique. Donc il est possible de déterminer la totalité des quantités thermodynamiques décrivant ce système et par suite de prédire ses propriétés. Et dans le cas des gaz parfaits, on a P fois V est égal à NRT. Après avoir bien compris la notion de la pression, la température, les paramètres d'état, les variables intensives et extensives d'un système, on va passer maintenant à l'explication de la notion de chaleur. En fait, la chaleur toujours passe du corps chaud au corps froid. C'est un concept principalement utilisé en philosophie, en physique et en biologie qui désigne la qualité de ce qui est chaud, la sensation produite par un corps chaud ou perçue comme telle par extension, c'est la chaleur désigne l'augmentation de la température. En chauffant un corps, sa température monte. En fait, le transfert de chaleur et variation de température sont directement liés par le biais de la capacité calorifique notée C. Ainsi, transfert de chaleur provoque généralement une variation de température. Par exemple, lorsque deux corps sont mis en contact l'un de l'autre, le plus chaud cède de la chaleur au plus froid jusqu'à établir un équilibre. En revanche, les changements d'état physique s'opèrent à température constante. Chauffez un glaçon et il restera à 0 degré, mais l'eau qui le compose passera de l'état solide à l'état liquide. Et ce changement d'état consomme de l'énergie, de la chaleur, qui de fait ne pourra pas servir à faire monter la température de l'eau. Généralement, il existe trois modes de transfert de la chaleur, la conduction thermique, la convection et le rayonnement thermique. En ce qui concerne la conduction thermique, qui correspond à un échange d'énergie sans déplacement de la matière. La convection, c'est le résultat d'un déplacement de particules de température différentes dans un fluide, et le rayonnement thermique qui est émis pour tous les corps. Ce que nous allons voir en détail dans le prochain module de transfert thermique.